Ah, nos Alpes françaises regorgent de belles stations et nous avons eu la chance de partir à Pézé-Valandry, au cœur d'une station à taille humaine où les joies de l'hiver se résument à de nombreux et divers plaisirs. Pézé-Valandry regroupe de nombreux petits villages de montagne comme Landry, Pézé, le Villaret, Moulin, Nancroix, La Chenarie et Pont-Baudin. Un ensemble de villages qui se font parfaitement dans cet environnement montagnard avec beaucoup d'authenticité et des chalets comme on les aime. L'environnement naturel de cette station est juste sublime. Imaginez-vous skier et glisser sur de la bonne neige fraîche dans un cadre paradisiaque où une sublime vue sur la chaîne du Mont Blanc vous attend. Vous pourrez aussi admirer les montagnes de la station comme la célèbre Aiguille Rousse ou encore le Mont Pourri. Mais cette station à taille humaine saura vous convaincre pour son domaine skiable nommé Paradiski. Puisqu'avec un seul et même forfait, vous pourrez profiter d'un domaine skiable comptabilise plus de 260 pistes regroupées autour des deux autres stations voisines, ce qui vous promet de belles et longues journées de glisse. On a aussi beaucoup aimé skier sur ce domaine où de belles descentes au cœur d'un environnement boisé vous attend. C'est même l'occasion de sortir un peu des pistes pour les plus aguerris et de profiter pleinement de belles sensations fortes entre ces nombreux arbres. Évidemment, c'est dommage de s'arrêter au ski alpin ou au snow quand on part s'évader à la montagne, et Pézé-Valandry offre bien plus qu'un simple domaine skiable. Vous pourrez profiter de nombreuses activités pour faire le plein d'air pur. C'est notamment le cas au centre nordique de la station qui dispose de nombreuses pistes de ski de fond où vous pourrez vous initier à cette pratique, ainsi qu'au biathlon grâce à son stadium dédié. Et je peux vous assurer que si vous aimez vous dépenser et repousser vos limites, le ski de fond est un bon moyen d'évacuer toute la pression du quotidien, surtout dans cet environnement boisé d'exception et si calme. Mais ce qui est aussi incroyable avec cet endroit, c'est son environnement. Vous vous trouvez directement aux portes du célèbre parc de la Vanoise qui saura vous offrir un lieu d'exception, où les montagnes qui vous entourent sont d'une beauté rare. Vous y trouverez de nombreux sentiers pour ceux qui aiment marcher, et vous prendrez un malin plaisir à faire de la raquette dans cet univers si unique où vous côtoierez vos amis de ski de fond. Marcher ici un doux matin d'hiver restera un magnifique souvenir, et si vous êtes silencieux, il ne sera pas rare d'observer des biches ou autres animaux de montagne. Cet endroit est aussi parfait pour les amateurs d'escalade sur glace qui pourront s'initier ou se perfectionner sur de belles cascades gelées. Et ce lieu d'exception est forcément propice à des activités plus familiales qui sauront ravir les enfants, mais aussi des amateurs d'animaux comme moi. Puisque ce lieu est l'endroit parfait pour découvrir le chien de traîneau. Je vous assure que cette expérience est unique et Manuel le Trappeur saura vous faire vibrer avec ses jolis chiens qui ne rechignent jamais devant l'effort. Parcourir cette neige fraîche dans ce traîneau restera un souvenir formidable où vous en prendrez plein les yeux. On a aussi pu retrouver notre âme d'enfant et profiter de la luge ou encore du skijoring et du traîneau à cheval. Vous l'aurez compris, on ne s'ennuie jamais ici à Pézé-Valandry. Et pour les amateurs de patrimoine, vous pourrez faire quelques visites au sein des villages et même des fermes pour découvrir leurs histoires et leurs origines, et vous pourrez aussi découvrir un patrimoine d'exception, avec notamment la sublime et délicieuse chapelle des Vernets, qui regorge d'histoire et qui se trouve perdue au milieu de ces montagnes d'exception. Alors venez, vibrez au cœur des montagnes, venez vous ressourcer dans cet environnement si pur et profitez de ces moments en famille ou entre amis pour goûter à l'esprit montagne.